Voisins de Rouillé de bonjour et bienvenue sur la DevBlog 185 en français. Cette semaine de superbes mises à jour, inattendues et extravagantes. Installez-vous confortablement, ouvrez les mirettes, c'est parti. Cheveux. Enfin dispo in-game, nous avons droit à deux styles de cheveux par sexe et deux styles de barbe, de sourcils et poils du corps. Les cheveux et poils se déforment selon les vêtements portés et s'adaptent au visage du joueur. Cette update a été conçue pour fonctionner avec l'option TSSAA dans votre menu options. Si votre config ne permet pas de supporter l'activation de cette option, les poils seront tout simplement flous et non dynamiques. Bientôt, plein de nouveaux styles seront dispo à vos poils prêts. Brosser. Workbench. C'était annoncé sur le teaser et c'était donc vrai. Vous êtes apte maintenant d'utiliser de la ferraille directement sur le workbench afin de débloquer des BP aléatoires non appris afin d'éviter les doublons. Deux solutions s'offrent donc à vous maintenant, soit de vous looter, soit de vous faire des recherches dans votre cave secrète. Réduction du coût. Les articles suivants sont moins chers. La raffinerie de pétrole, le projecteur, le grand kit de soins, le chapeau de mineur, la clôture et porte grillagée, les portes et murs de cellules, le double porte en métal et grille au sol. En plus de tout cela, les flèches haute vélocité sont comprises dans les BP par défaut, donc profitez-en. Cloueuse. La cloueuse permettait de détruire les portes en bois et c'est maintenant terminé. Les clous ont aussi été modifiés et sont maintenant un peu plus épais. Occlusion. De gros efforts sont en cours concernant l'occlusion d'ambiance afin de permettre d'améliorer la végétation sans démultiplier le nombre de micro-calculs, ce qui libérera grandement l'utilisation du CPU. Une avancée qui sera bientôt très visible sur les configs de grosse et moyenne gamme. Pour les configs potatoes, même si cela jouera certainement un petit peu en leur faveur, le changement de performance ne sera pas énorme. Construction. Le mode de construction 3.0 devrait arriver avec la mise à jour du mois prochain. Pas beaucoup d'infos pour le moment, mais des avancées sont prévues dans la façon d'assembler les blocs de bâtiments. Le privilège de construction sera émis par la construction elle-même et non plus par le rayon autour du placard. Le placard ne servira donc plus qu'à se loguer dessus et à loguer vos amis. Le bâtiment qui se désagrège soignera automatiquement avec les ressources disponibles dans je ne sais pas encore, et nous souhaiterons la bienvenue au mur à mi-hauteur pour permettre d'ajouter plus de possibilités de construction. Animation. Un gros refresh des animations de galerie d'armes est en cours. Le souci du détail est important dans ce domaine car c'est l'objet que nous voyons constamment en avant-plan. Il est donc très important de soigner le travail. Aménagement. Rappelez-vous, la zone de lancement avait eu droit à un petit lifting pour accéder au toit, et dès la semaine prochaine nous aurons droit à d'autres modifications afin de privilégier le combat PVP dans cette zone avec des échelles, passerelles et abris en tout genre. En vrac, moins d'imprécision avec l'arc et l'arbalète quand vous êtes en statique. Anti-crénelage mis à jour pour plus de netteté grâce à Unity et son post-processing stack V2. Dernière semaine de gros boulot sur l'IA, nous devrions donc avoir des news des scientifiques dans les semaines prochaines. Correction de la hauteur des épaules lorsque vous tenez une arme pour ne plus avoir les épaules rehaussées quand vous avez une arme en main. Et pour terminer, rappelez-vous, j'avais parlé il y a quelques semaines du moteur FX Houdini. Les développeurs ont commencé leur premier test d'effets spéciaux, impact sur le sol, aux joueurs en test. On en reparle très bientôt pour de bonnes surprises. Voisins de Rouillé d'eau, merci d'avoir suivi cette devblog complète en français. N'oubliez pas de lever les pouces, vous abonner via la tête de monsieur Alexius pour ne rien manquer. Et comme on le dit chez nous, mais vos rires qu'être pleurer, elle grimace est plus belle. Ciao !